Je t'ai laissé du pain et un reste de rôti pour toi dans la souillarde. Tu les mangeras ici avant de partir. Et puis tu iras ouvrir les volets en bas et faire un peu de ménage. J'ai un nouveau locataire. Attendez! Non, non! Soll ich Sie um Gläser bitten? Was? Madame la Propriétaire. Nein, nein, bloß nicht. Wann kommst du nach Paris zurück? Weiß es nicht. Wenn ich es hier leid bin. Vergiss nicht, Volard zu sagen, dass ich den Artikel über Picasso Ende dieser Woche fertig habe. Pass auf dich auf. Du auch. Gute Fahrt.
Hier, du. Madame Dufour m'a donné les clés. Elle m'a demandé de venir ici 3 fois par semaine pour faire le ménage. Monsieur veut que je m'en aille? Non. Vous pouvez me faire du thé? Du thé? Oui. Vous savez faire le thé? Oui, monsieur. Merci. Je m'en vais, monsieur. Merci. C'est 10 sous. Voilà. Je veux savoir comment vous vous appelez. Séraphine, monsieur. Ah, Séraphine. Bon, merci. Ah, t'as rapporté des draps. T'as pu les ravoir? Détaché. Oui. On avait dit 3 sous-pièces. 5. 5, t'es sûr? 5 sous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? 2 côtelettes de mouton, s'il vous plaît. 2 côtes de mouton dans le filet? Oui. On va vous trouver ça. Vous savez où je pourrais acheter du papier à lettres? Bien sûr. Au bout de la rue, chez Duval. Là. On trouve tout chez Duval. Il n'est pas d'ici, monsieur? Il vient d'où? De Paris. Oh. Anglais? Oh, je demande ça, c'est à cause de l'accent? Allemand. Ça fait 8 sous. C'est 1 franc. Vous l'emballe? Non, c'est inutile. Je le prends comme ça, merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonsoir. Monsieur. Tu le connais? Oui, c'est le nouveau locataire à Madame Dufault. Et quoi? La Boche?
Je sais pas. Donne-moi un pot de blanc. Et quoi encore? Je prends la banque. Tu me dois 90 sous de fourniture et je compte pas les panneaux de bois. Il ferait mieux de tâcher du charbon pour te chauffer l'hiver. Au revoir. Eli creator spiritus, mentes tuorum visitor,
gratiam qui tu creasti pectora accende lumen sensibus in firma nostri corporis virtute firmans perpeti. Vous êtes là. J'ai presque fini, monsieur. Je peux m'occuper de la chambre? Oui, bien sûr. Vous me laissez, monsieur, je vais le faire. Non, non, j'aime bien faire la cuisine. Vous savez, monsieur, quand moi je suis trop triste, je vais dans la campagne et là je touche les arbres. Je parle aux oiseaux, aux fleurs, aux insectes. Et ça passe. Je veux bien que ça passe. Tu n'as pas perdu la main, ma fille. Il est bon. Il est très bon. Richambard. Je l'ai fait cuire chez une de mes patronnes pendant qu'elle était à confesse. Enfin, je vois que tout va bien. Tu as fait ta place dans le monde. Tu ne manques de rien, au moins. Dedans, ma mère, le ménage me prend tout. Et là-dedans, tout va bien, Séraphine. Tu es sûre?
Séraphine? On m'a préparé du thé? Encore du thé. Qu'est-ce que c'est? Buvez. Tout à l'heure, je suis occupée. Non, maintenant. C'est costaud. Je le fais moi-même. C'est mon vin d'énergie. Merci, je le finirai tout à l'heure. Mais j'aimerais bien un thé quand même. Vous en avez une belle écriture. Quand vous en voulez, il y en a. Je suis la maman. La route n'a pas été trop longue? Quel temps fait-il à Paris? La bonne t'a ouvert? J'avais peur que tu sois à la porte. Je t'avais bien dit que je ne serais pas là avant 6 heures. Oui, maman. Oh. Oh, quelle chaleur! Mais quelle chaleur, mon Dieu! Séraphine! Séraphine, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas dit de changer les draps. Oh, tant pis, c'est fait. Faut que tu perdes l'habitude de répondre, Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que j'apprends? Monsieur Bouillot, notre président, me dit que tu peins. Il paraît que tu peins. Réponds. Oui. Oui, quoi? Il dit que c'est pas si mal. As-tu déjà vendu? Non, madame. Apporte-moi quelque chose demain, que je vois ça de près. File maintenant. Et la prochaine fois, pour les draps, pas d'initiative, s'il te plaît. Oui, madame. Thank you.
Je suis partie à Paris. Faites comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée, Séraphine? Tu perds ton temps. Mon Dieu, ces pommes, elles ressemblent à tout sauf à des pommes. N'est-ce pas la toile qu'on dirait tout sauf des pommes? Vous trouvez? Moi pas. Comment ça, toi pas? Ces pommes-là? Car ce sont bien des pommes que tu as voulu représenter. Oui, madame. Avoue qu'on pourrait aussi bien dire que ce sont des prunes. Ou des pêches, non? Moi, je vois bien des pommes. Allez, fille, retourne à ton ménage. Tu as mieux à faire, il me semble. Lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie. Pas les masques, nous savons qui vous êtes, monsieur Oud. J'ai réuni quelques amis chez moi ce soir, des artistes. Et nous serions très honorés qu'un critique et marchand d'art de votre envergure accepte de se joindre à nous. Oh, ne dites pas non. Je serais horriblement déçue. Ce sont des croûtes. Je le dis comme je le pense, ce sont des croûtes. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût. Le goût du beau. Ah, c'est vrai. Ah, je ne dis pas cela pour vous, mademoiselle Delagneau. Vous, vous êtes une vraie artiste. Bonjour, merci. C'est comme tous ces enragés qui peignent comme des gamins de 6 ans. Non, mais vous avez vu le dernier salon des indépendants? Il paraît que ça se vend. On croit rêver. Qu'en pensez-vous, monsieur Oud? Bah, vous ne dites rien, monsieur Oud. Excusez-moi, je suis préoccupé. On vous comprend. On dit que la guerre est inévitable. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas, madame. Je me fiche de cette guerre. Je pense que le dessert ne va pas tarder. Et voilà, on en profite, c'est peut-être la dernière. Monsieur Oud, vous ne venez pas manger votre dessert? Il n'y a pas ça. Ça, mais oh, c'est rien. Venez plutôt faire honneur à mon omelette norvégienne. Elle ne va pas flamber éternellement. Je peux savoir qui a peint ça? Séraphine. Comment ça, Séraphine? Votre femme de ménage, enfin la nôtre.
Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture. Mon fils a absolument voulu que je le prenne en dépôt. Je vous l'achète. Ah bon? Vous me l'ajouterez au loyer. Je le prends tout de suite. Bonsoir, madame. Vous en avez d'autres? Vous en avez d'autres? Je veux les voir tout de suite. Attendez-moi là. De Wilhelm. On va l'exposer dans un garage aux Invalides. C'est qui? Si je te le disais. Alors, vous êtes déjà fatigué? Il a l'air beau. Tiens. Qu'est-ce Soll ich sie holen? Nein, bitte nicht.
Sie ist hier. Wer? Dein Genie. Hat sie denn das Bild mitgebracht? Dein Genie putzt. Je lave le parterre. Mais enfin, Séraphine, on vous a attendu hier toute la journée. J'ai montré vos toiles à un ami collectionneur. Il a été aussi ému que moi. Tu ne devrais pas se moquer. J'ai une tête à me moquer. Un peu. Où allez-vous? Chercher ma cire. D'abord je lave et puis je cire. Vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit? Tout le monde hier a été enthousiaste. Le bon monde est toujours enthousiaste. Je vous jure qu'il y a eu des comparaisons très flatteuses. Si je vous disais le nom. Séraphine. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Hmm? Vous ne voulez pas me répondre? Monsieur est gentil de me dire que les amis de monsieur ont dit des gentillesses sur mon travail. Vous n'allez pas passer votre vie à faire le ménage alors que vous avez de l'or dans les mains. Soyez ardente à votre ouvrage et vous trouverez Dieu dans vos casseroles. Je ne suis pas très croyant, vous savez. Mais la Sainte Vierge, monsieur y croit au moins, la Sainte Vierge. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Des jours. Je dirais que ça dépend des jours. Mais je crois à l'âme, ça oui, je crois. Je crois que nous, humains, nous avons une âme. C'est ce qui nous rend si tristes. Contrairement aux animaux. Les animaux ne sont jamais tristes, non? Oh, si, monsieur. Les animaux sont tristes. Une vache, si vous lui prenez son veau, elle pleure. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Wilhelm Oude. Ouvrez-moi. Je sais que vous avez travaillé cette nuit. Je veux voir. Séraphine, je veux voir. Je vous apporterai demain, c'est mieux. Séraphine? Oui, monsieur. Vous ne m'avez jamais dit qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre? C'est quelqu'un de votre famille? Je n'ai personne, monsieur. Un professeur? Vous avez pris des cours? Non, monsieur. Mais il y a bien eu un événement dans votre vie, quelque chose. C'est curieux. Cette matière, ce rouge par exemple, c'est quoi? Monsieur, j'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets. En tout cas, c'est fort, très fort. J'y vois bien des défauts. Qu'est-ce que vous faites? Je vais passer la serpillière, monsieur.
Maintenant, je vais vous dire ce que je pense, Séraphine. Vous êtes douée. Mais il va falloir travailler beaucoup. Beaucoup. Ne vous souciez plus jamais de ce que disent les autres. Ils n'y connaissent rien. Je vais m'occuper de vous. D'abord, on va essayer de placer quelques tableaux à Paris. J'ai une petite galerie, rue Notre-Dame-des-Champs. On pourrait commencer par là. À moins que j'en parle à mon ami Kahnweil. Ah oui, oui. Je vais lui écrire tout de suite. On va t'approvisionner à Paris maintenant. Ou à Chantilly. Non, je blague. La maison Duval, c'est du solide. Quand notre armée, en deux temps, en mouvement, on va les mettre au palais Boche. Coast! Pas vrai? T'as gagné la loterie? Ouais. C'est mes deux derniers. Faut que j'en recommande. Oh, t'es bon. Un mieux. Au revoir. C'est pour vous. Monsieur n'a même pas regardé mon tableau. Si, si. Il est très beau. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le moment. Vous avez repassé mes chemises? Oui, elles sont à leur place dans la commode de monsieur. Ça vous ennuierait de me les donner? Monsieur part pour longtemps? Je ne sais pas, Séraphine. Il se peut même que je ne pars pas. Le monde dit que les Allemands ne passeront jamais la frontière. Mais je suis Allemand. Je connais donc très bien les Allemands. Je me méfie. Et moi? Continuez. Quoi qu'il arrive, travaillez. Dites-vous qu'un jour ou l'autre, votre travail sera reconnu. J'en suis sûr. Et si vous ne revenez pas? Je ne veux pas de votre argent. On ne m'achète pas, moi. On ne me fait pas miroiter des choses. Gardez ça pour mademoiselle Anne-Marie. Anne-Marie? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Je vois bien comment elle tourne autour de vous. Mais Séraphine, vous divaguez. J'ai des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Anne-Marie, vous pensez vraiment qu'Anne-Marie... Je pense que quelqu'un de ma condition n'est pas capable de comprendre les choses aussi bien que lui. Pas du tout, Séraphine, pas du tout. Mensonge. Ne me parlez pas sur ces temps. Comment vous croyez qu'on me parle à moi depuis que je suis née? Comment vous croyez qu'on me parle? Séraphine! Séraphine! Je ne voulais pas vous vexer. Vous croyez mieux que moi parce que c'est moi qui lave votre âge, vos serviettes sales, vos chemises et vos culottes sales. C'est moi qui lave par terre, vous passez avec vos beaux souliers. Il vaut mieux que je m'en aille. Séraphine, c'est idiot. Il n'y a aucune raison de se fâcher. Laissez-moi vous expliquer. Je vous ai fait de la peine, c'est involontaire. Mais si mes compatriotes me trouvent ici, je vais être considéré comme déserteur et fusillé. Je ne pense pas une seconde que je suis supérieur à vous. Pas du tout, Séraphine. Anne-Marie.
Marie, Séraphine, c'est ma sœur. Votre sœur? Oui, ma petite sœur, Anne-Marie Houle. Je n'épouserai jamais une femme, Séraphine. Jamais. Pourquoi croyez-vous que je me sois retiré ici? Sie sind da, 5 Stunden von hier entfernt. Wir fahren nach München über die Schweiz. Hast du Geld dabei? Beeil dich, verdammt noch mal! J'ai vu mon fils. Il devait venir me chercher, ça fait des heures que j'attends. Reste pas là, tu vas attirer l'attention. Ils entrent dans les maisons et tuent n'importe qui. Monsieur Willem. Ils sont venus ce matin. Ils l'ont cherché partout. J'imagine qu'il a eu le temps de filer.
monsieur. Francis Bourdet, du journal Le Temps. Excusez-moi, je suis en retard. Merci de me recevoir. Entrez. Vous qui avez été l'un des premiers acheteurs de Picasso et de Braque, comment avez-vous abordé la peinture du douanier Rousseau et de tous ces naïfs dont vous êtes devenu le plus fervent défenseur? Naïf? Je n'aime pas trop ce terme. Il me fait peur. Non. Je préfère vraiment celui de primitif moderne. Tenez, regardez. J'avais loué un garage avant la guerre pour exposer des toiles de Henri Rousseau tout près des Invalides. Non seulement je n'ai rien vendu, mais je crois bien qu'à part ma sœur et quelques amis, nous n'avons eu aucune visite. Et aujourd'hui, il entre l'ouvre et vous venez jusqu'ici pour que je vous parle de lui. Merci, Marie-Louise. Vous voulez vraiment du thé? Vous ne préférez pas quelque chose de plus fort? Non, le thé, c'est très bien. Voilà. Pourquoi êtes-vous revenu en France? Pour récupérer ma collection, pardi. Une collection est l'interprétation de la formation spirituelle de celui qui l'a faite. On ne la disperse pas impunément. Je suis au courant. 17 toiles de Picasso, 13 de Braque, 6 du douanier Rousseau. Sans parler du défi, Marie-Laurencin, des dessins de Picasso. Tout ça réquisitionné et bradé à Drouot. Il m'a fallu repartir à zéro. Pourquoi alors ne pas se tourner vers des valeurs plus sûres? Je ne collectionne pas pour vendre, monsieur Bourdet. Je vends pour collectionner. On va faire un tour. Tu as besoin de quelque chose? Ich glaube nicht, dass du mit dem Fahrrad fahren solltest. Komm her, komm her, komm her. Ruhig, 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 ruhig. Sie sind da. Muss aufstehen. Bonjour, monsieur. Bonjour, Berthe. Monsieur ne prend pas son petit déjeuner dans la chambre? Je le prendrai plus tard. Allez réveiller monsieur Helmut. Guten Morgen. Ich habe dir doch gesagt, dass er nicht Fahrrad fahren soll. Ist das so schwer zu begreifen? Du kannst ihn doch nicht die ganze Zeit einsperren. Hör auf damit, Anne-Marie. K-O-L-L-E. Kolle. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais il faut bien commencer. À force, il va y arriver. J'ai entendu ton nom au moins 10 fois. Oui, oui, à bientôt. Merci, monsieur. Au revoir.
Ich muss nach Paris fahren. Warum denn? Bernheim wird 3 Bilder von dir nehmen, Helmut. Unter der Voraussetzung, dass ich mich um den Verkauf an Kahnweiler kümmere. Und heute Abend wieder zurück. Na, Helmut, bist du zufrieden? Ich weiß gar nicht, warum du dir so viel Mühe gibst. La gloire, je m'en fous. Ich werde doch eh vorher tot sein. Warum sagst du das? Ich hasse es, wenn du so redest! Wilhelm! Wilhelm, tu nous rapportes les journaux, s'il te plaît? Je te donne un franc pour ta peine, mais c'est fini. Trouve des boulots moins fatigants. T'es plus en âge, ma pauvre. La vieille, qu'est-ce qui t'amène? Donne-moi pour 50 centimes de vernis. Voilà. Tiens, je t'ai mis un bout de jarret de veau de ce midi. Je ne mangerai pas. Alors, autant que ça taille à toi, hein? Vous voyez, merci. Merci. Pas de quoi. Séraphine, ouvre. Je sais que t'es là. Je peux pas. Ouvre, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Je l'ai faite cet après-midi. Elle est tiède. T'es allée au lavoir? Oui, j'ai été au lavoir. T'as dormi au moins cette nuit? Mange. La garde pour demain, j'ai déjà mangé pour aujourd'hui. Je te laverai le bol. Laisse-moi mes nouches, j'ai affaire. Thank you.
laisser, Berthe. Je vais m'en occuper. Vous pouvez partir. À l'hôtel de ville. À l'initiative de la Société des Amis des Arts de Senlis, de nombreux peintres originaires de l'Oise présenteront leurs œuvres. Glaubst du, dass sie noch malt? Qui ça, hein? Ich bin sicher, dass sie längst tot ist. Woher willst du das wissen? Von wem redet ihr eigentlich? Von Seraphine. Hat Willi dir noch nie von Seraphine erzählt? Nein. C'était sa femme de ménage à Senlis. Vor dem Krieg hat er für sie geschwärmt. Wenn sie nicht den Boden geschrubbt hat, hat sie gemalt. Willi hat alle ihre Bilder gekauft damals. Und dann sind wir abgehauen wie die Verbrecher und haben nie wieder was von ihr gehört. Non, c'est moi. Wilhelm Ude. Oh. Monsieur de retour. Je viens de l'hôtel de ville. J'ai vu votre travail, Séraphine. Vous avez fait de grands progrès. Vos toiles sont très belles. C'est vrai. Vous trouvez ça mieux qu'avant? Beaucoup mieux. Comme les grands artistes. Monsieur se moque. Ah non, non, je ne me moque pas. J'admire. Je ne vais presque plus en journée chez les autres. Je fais de la peinture. C'est très difficile.
cornet. Oui. Mon petit cornet. Oui. Merci, Serville. Mademoiselle Anne-Marie, elle va bien? Elle est revenue en France, elle aussi. Nous avons loué une maison ensemble, à Chantilly, cette fois. Ce sont des méchantes femmes qui viennent tous les jours m'insulter. Du ciel, il descend pour nous adorer le tout. Et pour d'amour, on est soupir. Jésus avance. Séraphine est notre douanier Rousseau. Cette excellente personne a quitté le plumeau pour le pinceau. Elle n'a jamais pris de leçon et il ne convient pas qu'elle en prenne. C'est assurément un tempérament d'artiste dont l'attrayante naïveté rappelle l'art médiéval. Als ob mittelalterliche Kunst jemals naiv war. Diese Leute haben wirklich keine Ahnung. Nein, unsere Seraphine, die vor dem Krieg auf kleinen Holztafeln gemalt hat, ist eine echte Künstlerin geworden. Und darin liegt das Wunder, eine Künstlerin mit Visionen, die ihrer Zeit voraus ist. So wie das auch bei Van Gogh der Fall war. Willst du sie in Paris ausstellen? Paris? Wir sind noch nicht in Paris. Wie spät ist es eigentlich? Sie kommt gleich. Jadirofine mit la table. C'est Monsieur Oud, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez à Monsieur Oud? Je lui veux que je suis attendue. Séraphine! Enfin! On pensait déjà que vous ne viendriez plus. Oh, comme vous êtes élégante. Oh, c'est... Mais qu'est-ce que vous avez dans ce panier? Vous êtes chargée comme bourrue. La chance, Monsieur Willem, d'avoir un si grand jardin. De si beaux arbres. On va déjeuner, Séraphine. Elle parle aux arbres maintenant. On aura tout. Elle mangera que ce qu'elle a apporté, ma petite mademoiselle. Berthe, Marie-Louise, les desserts. Vous nous apportez les desserts? On n'a pas servi le gigot. On saute le gigot, on commence par le dessert. Séraphine adore les babas. Oui, madame. À partir de maintenant, je vous ai interdit de faire le ménage chez qui que ce soit. Vous toucherez cette somme.
tous les mois. J'ai aussi pris des dispositions pour qu'on relivre des toiles, des pinceaux, des couleurs. Oh, la couleur, c'est inutile. Mais je veux bien de la laque Ripolin au kilo. C'est moins cher. Et pour les toiles, veillez bien à ce qu'elles aient 2 mètres de haut. 2 mètres? Oui, 2 mètres. C'est très important. Est-ce qu'un jour vous m'écrirez une vraie lettre? Avec votre belle écriture, monsieur Willem. Bien sûr. Vous l'enverrez chez moi par la poste. Vous avez mon adresse. Séraphine Louis, 1 rue du Puy-Tiphaine à Senlis. Comptez sur moi. Oui. C'est quoi comme voiture? Une Orche. Ah, une Orche. C'est confortable, hein? On est bien assis. Oui. Sans indiscrétion. Ça vous en est combien, une Orche? Je ne sais pas. Je n'y connais rien, c'est celle de Wilhelm. C'est qu'il m'en faudrait moi aussi une belle voiture. Quand je serai célèbre. C'est vrai ce que dit Minouche? Tu veux me louer tout l'étage? C'est vite, non? T'as de quoi payer, à ce qui paraît? Combien t'en veux de ton logement? Il y a 2 grandes pièces. On se prend le mois. C'est cher. Oh. Va me chercher les clés. Ah oui, oui, les assiettes. Qu'est-ce que vous faites? Vous me pillez ma boutique? Et la soupière, tu la prends? Oui, pour servir la soupe. C'est vrai que si ça se trouve bientôt, c'est toi qui vas te faire servir. Séraphine. Oh oui, le samovar. Oh oui, le samovar. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, ma pauvre? C'est mon affaire. Tu livres? Louis Séraphine, c'est bien ici? J'arrive. Ça ne vous plaît pas? Si.
Ça me plaît énormément. On va faire des merveilles ensemble, Séraphine. Encore plus comme cela. Je vous expose à Paris. Tu fermes bien les yeux, hein, Minouche? Oui, oui. Et quand je te dirai ouvre-les, tu les ouvriras. Mais seulement à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui est venu t'acheter des toiles il y a deux jours. Un monsieur important de Paris. Oui, oui, un monsieur, un vrai. Envoyé par monsieur Willem. Avec un nom, comme on dirait, d'oiseau ou un cours d'eau. Monsieur Cazou, non, Cassou, Cassou. Et hop, tu peux les ouvrir. C'est beau, Séraphine. C'est beau. Et hop! Bonté divine! Ça m'explique pas ce tantôt que tu de ma tête. Tu peins bien avec un pinceau? Oui, avec un pinceau. Elles sont bizarres, elles bougent. On dirait qu'elles cachent des insectes. On dirait des yeux. Ce sont des yeux blessés, des chairs en lambeaux. Des choses effrayantes. Je sais, Madame Delonge. Moi aussi, quand je le regarde, j'ai peur de ce que j'ai fait. Tu es sûre que c'est son ange gardien qui conduit ta main, Séraphine? Plus que jamais, ma mère. Vous ne dites rien, mademoiselle? Vous n'aimez plus ma peinture? Vous avez déjà été amoureuse? Ces choses-là sont privées. S'il vous plaît. Vous ne direz rien à personne. Une fois, il y a longtemps, j'ai été amoureuse. Oui. Il s'appelait Cyril, un officier. Il m'a fait la cour. On s'est fiancés. Et puis un jour, il a disparu. Vous n'allez pas chercher à le revoir? Quand on fait de la peinture, mademoiselle, on aime autrement. Puis souvent, je le vois de l'intérieur ou à travers d'autres visages. Et je me dis que si je pense encore à lui, peut-être il pense encore un peu à moi. Je peux vous prendre en photo? Oui. Regardez-moi. Non, non, il faut que je lève le front. Mon inspiration vient d'en haut.
le Château Rouge. Elle date de 1870. Les vitraux sont une copie de ceux du château de Chantilly. Elle a 12 pièces, toutes chauffées par un chauffage central au charbon. Oh, un chauffage central au charbon? Dans la cave. Et à l'étage, 6 chambres, dont une dite de maître. Et la cuisine, elle est grande? Mais y a-t-il une souillarde au moins? Suite au krach boursier de Wall Street, qui a eu de terribles répercussions aux États-Unis, puis chez nos voisins européens, la crise financière mondiale touche enfin la France de plein fouet. La faiblesse de notre monnaie nationale... Ils nous cassent les oreilles avec leur catastrophe. Oh, elle est belle. Magnifique. Super belle. Soie et taffetas. T'as vu ça, Minouche? Moi, Séraphine Louis, fille de Joseph Louis et de Joséphine Maillard, je porte du taffetas et de la soie. Et on peut savoir qui est l'heureuse élue? On vous le fera savoir en temps voulu. Elle sera prête pour le mois prochain. Comme promis. Ah, et faites aussi quelque chose pour mon amie. Une robe. Non, non. C'est pas la peine. Si, si. Une robe de demoiselle d'honneur. En soie et en taffetas comme la mienne. Tenez. À titre d'acompte, je vous enverrai la note à mon mécène, Monsieur Oud, 7 rue Neuve à Chantilly. Faut vous ménager un peu, Séraphine. Vous reposez, vous avez tellement travaillé ces derniers temps. Anne-Marie a raison, vous vous éparpillez. Ce n'est pas bon pour votre travail. Mais cela m'a été dicté, Monsieur Willem. Un ordre venu d'en haut. Quelque chose de très important. Vous le dire encore maintenant. Mais nous ne sommes pas venus pour ça, Wilhelm. J'ai reçu un courrier du notaire. Vous avez décidé d'acheter une maison? Oh oui, j'avais presque oublié, Monsieur Wilhelm. Oh, c'est une belle grande maison avec beaucoup de pièces. Je suis sûre qu'elle va beaucoup vous plaire. Voulez-vous que nous allions la visiter maintenant? Je suis désolé de vous faire de la peine. Mais je suis dans l'incapacité de payer la somme de 3000 francs que le notaire me réclame pour arrêter la vente. Je ne peux pas. Ah bon? Vous n'avez sans doute pas entendu parler de la crise en Europe. Le marché va mal. J'ai aussi reçu une note extravagante pour une robe de mariée. Oh oui, j'aurais dû vous prévenir, Monsieur Willem. Mais mon ange gardien m'a fait jurer de n'en parler à personne. J'aurais pensé que monsieur comprendrait. Comprendre quoi? Que vous dépensez sans compter? Ce n'est pas ce que veut dire Wilhelm. L'argent n'a tellement pas d'importance. Mais nous sommes inquiets, Séraphine. Nous devons faire très attention à nos dépenses. Vous n'avez qu'à vendre plusieurs tableaux d'un seul coup.
Il n'y a plus d'acheteur. Monsieur Willem s'y prend mal. Il présente donc mes peintures dans des jolis cadres dorés et sculptés. Et la clientèle reviendra. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais mon exposition, elle va avoir lieu, mon exposition. Je suis prête, moi. Je crains que nous soyons obligés d'attendre un peu. Mais je vous ai dit que je suis prête. Je sais, et j'en suis très malheureux, croyez-moi. Mais je n'ai pas le choix. Exposition, vous allez la faire, mon exposition, monsieur Willem. Bien sûr que je vais la faire. Mais vous aviez dit le mois prochain, vous l'aviez dit. J'ai prévenu là-haut, tous les anges sont en route et il n'y a pas que. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est très important, vous comprenez, monsieur Willem. Ils en attendent beaucoup de mon exposition. On me l'a dit. Je suis désolé, Séraphine, mais je ne peux rien faire de plus. En tout cas, pour cette année, il va falloir être patiente. Plus ma peinture, monsieur Willem. Il n'est pas question de ça. Vous n'aimez plus ma peinture et vous n'osez pas me le dire. C'est parce que je dépense trop. Dites-le, monsieur Willem. Dites-le. En tout cas, moi, on me l'a dit. Ah, vous ne savez plus quoi dire, hein? Alors taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Et puis laissez-moi, parce que de toute façon, moi, on va venir me chercher et je serai sauvée, moi. Séraphine? Allô? Séraphine, allô? Willem. Ich glaube, du musst kommen. Séraphine, c'est moi, ouvre.
Écoute, tu peux pas rester enfermé comme ça. Laisse-moi, Minouche. Je travaille. Alors, bah, faudrait peut-être forcer la porte. Elle dit qu'elle peint. Oh, bah, ça, ça m'étonnerait. Quand elle peint, elle chante. Et puis, quelqu'un chante. Elle parle. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Prenez, car ceci est mon corps. Mon sang. Il faut prévenir les gendarmes, vite.
On ne peut pas la détacher. Elle pourrait se faire du mal. Je veux lui parler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Depuis quelques mois, elle est beaucoup plus calme. Elle n'attire plus l'animosité des autres. J'ai vendu quelques-unes de ses toiles. Vous pensez que je pourrais le lui dire? Non, je préfère qu'elle ne vous voie pas. Je crains que votre visite ne provoque chez elle une autre crise. Mais il faut qu'elle le sache. Monsieur Hund, elle veut qu'on la laisse seule. Elle dit que la peinture s'est passée dans la nuit. Ce sont ses propres termes. Non, ce que vous pourriez faire, c'est lui rendre la vie plus confortable. Monsieur Hund ? Oui, oui. Je la prends.